Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un... Putain, mais il est si faible que ça, lui. Pour un nouvel épisode de la campagne légendaire avec Nagashizar, avec Arcane, un empire mortel, tout ça, tout ça. Alors, on entrevoit quelque chose. On voulait laisser cette région, finalement, aux Skaven, sauf qu'on s'est posé une seule question. On m'a fait, sur le chat, on m'a fait la remarque, ici, la tour d'or, il y a un bâtiment spécial. Si je peux l'avoir, j'avoue que je le fais. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que je vais aller attaquer avec cette armée. Je vais me mettre en mode siège. On va voir ce que ça va faire. On va voir si je me fais attaquer. Mais là, le problème, c'est qu'il est quand même pas mal équipé, le cochon. Donc ça se trouve, je peux reculer une bonne fois. Je peux foutre la merde chaque tour. Lui, pour l'instant, il avance. Je peux lui demander de l'aide. On verra bien s'il le fait. Et avec les deux autres armées, je termine la région. Donc Krogar, normalement, il est terminé. Et on va faire ces batailles, justement, pour quand même profiter un peu, quoi. Parce que là... On s'est fait chier juste avant, tout à l'heure, à faire 30 tours en mode. Donc là, c'est bon, là. Maintenant, allez, on attaque. Hein. Là, ça le suffit. Hein. Ok. En vrai, c'est pas mal. Gain d'expérience. Je vais le prendre pour les vases canopées. Je préfère attendre. Ouais. En vrai, je le fais. Donc, notre armée ici. Allez, on y va. Donc là, bien sûr. Bon, c'est pas grave, trop tard. Je voulais attaquer la garnison avant, mais bon. En vrai. Et là, on a Nagash qui suit. Alors, on va pas pouvoir l'attaquer tout de suite. Parce qu'on a rien pour assiéger. Mais là, du coup, on y va. On va pouvoir constater ça par nous-mêmes, du coup, pour la puissance que ça fournit. Idéalement, je vais aller par là-bas et voir ce que donne la cité des serpents. Et là, du coup, bah, comme je vous ai dit, la technique, on va essayer, on va espérer que ça passe. Si au pire, je me fais attaquer... Donc là, il va me dire... Ah, il me dit que ça se tient. Hein. Il me dit que ça se tient. Donc là, je vais l'encercler. Je ne presse surtout pas le combat. Et je vais demander de l'aide à mon allié. Allez, s'il te plaît, viens ici. En vrai, tu viens avec tes mortiers, mon gars. On a 100% gagné. Hein. Mortier, Gatling. On défonce tout. Hein. Et pendant ce temps-là, bah, vous voyez, avec le bonus qu'on a eu tout à l'heure des fleuves non asséchés. On est bien. On est vraiment bien. On entrevoit une possibilité de paix, de paix, de paix, de paix. Allez, ça, je peux le casser, du coup. J'en ai plus besoin. Et on attaque. Alors, avec lui, on va... Je pense commencer à prendre les vases canopées, histoire d'en générer. On va peut-être commencer à entrevoir aussi les armes, tout ça. Parce qu'en vrai, on a quand même pas mal de choses. Enfin, j'ai pas les idoles, ça, c'est dommage. Et là, visiblement, 200 vases canopées, je peux créer ça. Ça peut être fort. Il va falloir voir tout ça. C'est ça, c'est encore quelques années. Ah non, c'est trop tard. Ah non, Krogar, tu m'as fait chier. Tu m'as fait chier. Ah, le bâtard, il est capable d'attaquer. Attendez. C'est pas des armées dégueulasses quand même, hein. Donc il est en train de nous générer une petite armée là. Ouh, cochon. Ah, puis pas de la merde, hein. Bon, bah on va devoir reculer. Il se laisse pas faire, le bougre, hein. Mais là, je vais pouvoir l'attaquer normalement. Bah, vous savez la fameuse technique que l'IA adore utiliser? Bah, je crois qu'elle va être utilisable. Hein. Enfin, j'ai pas vu les déplacements, mais s'il a pas bougé, je vais pouvoir le défoncer. Et après, on s'attaque à Khemri très vite si possible. Et l'autre, il a pas bougé, quoi. Bouge ton fion, quoi. Allez, viens. Viens, gamin. Viens là, gamin. Nehekara.
Alors, échec pour le roi, machin, ok. Et oui, et oui, et oui, et oui. Voilà, donc vous savez la fameuse technique qu'il adore faire, l'IA, là. Bah, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. Donc, on prend ça. On assiège. Et là, normalement, si je prends elle et que je lui demande d'attaquer ça, attendez. Alors, je vais pas être assez puissant, non, en fait. Ah, attendez. C'est pas encore bon. C'est pas encore bon du tout, là. Le problème, c'est qu'en fait, il faudrait qu'il l'assiège. Parce que là, je peux pas défoncer à 20 unités ce truc à 12, là. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et là, on est d'accord que si je l'attaque, j'ai pas les renforts. Non. Maintenant, si j'attaque ça, avec ma seule armée... Ah, mais il a pas attaqué clair, lui. Non, donc ça marche pas. Putain, merde. J'ai fait... Je pensais que j'allais pouvoir... Alors, comment on peut faire? Ah, puis du coup, ça me bloque complètement. Ça me bloque complètement. Ce que je peux faire, c'est attaquer avec cette armée-là, non? Si j'attaque le temple avec cette armée-là, dedans, il y a quoi? Il n'y a rien. Ah, il me bloque et tout en plus, là. Attendez, comment je fais, là? Ah, je me suis mis dans un bourbier, là. Je peux attaquer clair. Je peux échanger les armées. Le temps de cette bataille. Je peux prendre ça, ça, ça. Ça. Ah oui, mais non, mais l'autre il va quand même m'attaquer au final. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc là, il faudrait que je fasse rompre le siège. Ah, attendez là, pour l'instant, je vois pas comment faire. En fait, j'aimerais arriver à attaquer l'armée là-bas. Mais là, comme ça, c'est pas possible. En fait. Donc, idéalement, il faudrait que je me mette là, en scorpion. Comme ça, je régène. Lui, c'est bon pour l'instant, il bouge pas. Il va sûrement essayer de recruter. Il va voir échanger les unités. Est-ce que nous, on est capable, en vrai, avec lui, par exemple, d'aller là-bas? Ouais, on est capable. Ok. Tant qu'il recrute pas, il a pas assez de force quand même pour nous tuer. Faut pas abuser. Mais... Ok, après je peux te blesser, toi. J'ai pas fait si mal que ça, c'est pas bon. Allez, allez, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. We can do it. Si j'accepte son armée à lui, donc ça, plus ce qu'il y a dedans. C'est un peu gros, hein. C'est un peu gros. Et 5 tours avant l'usure. On espère que l'autre arrive. Donc là, il va essayer de recruter. Il faut que j'essaye de l'enfermer, en fait, l'autre. Simplement. Il faut que j'essaye de l'enfermer. Ouais, ouais, mais j'avais pas la portée de déplacement pour faire ça, visiblement. Oh, le collard. Ok, donc là, forcément, il se casse autre part. Ok. Après, on peut se mettre en mode raid, on lui suce l'argent jusqu'au bout.
On peut essayer d'attaquer les côtes des serpents là. Je peux même bait. Je crois que je vais mettre un en mode raid et un en bait pour le sortir de là en fait. Hein. On va être obligé. Je sais pas pourquoi je vois tout ça, mais. Et il se passe beaucoup de choses ici. Hein. Et moi, c'est là-dedans moi, que ça m'intéresse là. Bon, ici il bouge pas, l'autre il vient pas. Alors, attends. Attends your king, slaves. You are not him. Attendez, attendez, attendez. Comment on s'en sort là-dedans, là? C'est chaud, hein. Ces grosses bêtes, là, de mort. Oh là 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 là. Il a sorti une artillerie, le gamin, là. I serve king and patriarch. Death's sworn. We are their nightmares. On va devoir essayer de l'attirer. On va devoir essayer. Le problème, c'est que s'il refait une full armée. Ah bon, bah en attendant, on capture ça, quoi qu'il arrive, mais. Waouh, 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 quoi. Hein. Si je fais ça encore, ce bâtiment-là, ça me permet de recruter v'là les tombes, les gardiens des tombes. Ça pourrait me permettre de venir très vite. Avec encore plus de puissance. Ouais, là c'est vraiment imprenable. Hein. Là, pour le coup, gardien des temples sur le dessus. 4 gardiens des temples avec. Maintenant, si je le bait. On est quand même à 20. Les mecs seront pas énormément. On a pas mal d'archers, on a des Ushaptis, on a des gardes des tombes. On a quand même des lanciers, j'ai lui qui peut aller focus un truc. Enfin, on a de quoi taper en fait, hein, quand même. On a de quoi taper. Le seul problème, c'est que quand eux seront en contact, eh ben, on va juste mettre 10 ans à les tomber. Mais ce qu'il faut focus, c'est les gardiens des temples. Hein. C'est vraiment la plaie hein, dans. Non, pas toi. Ça fait un peu peur, hein. Ça se trouve, on va se faire défoncer de nouveau. Mais bon, normalement, on devrait pouvoir s'en remettre assez rapidement cette fois-ci parce que pendant ce temps-là, je suis en train de construire partout. Donc, c'est pas tant un problème que ça. Ouais, je pense que je vais refaire un tombeau. Histoire de pouvoir recruter encore plein de guerriers Neka et plein et revenir toujours plus puissant. Toujours plus puissant. Voilà Peugeot. Ouais, vous voyez, ça l'attire direct. Hein. Et boum. Non, ça fait mal quand même. Hein. L'autorésolution est en soi un peu plus réelle que. Ouh, une unité de Renault déverrouillée. Yes. Ah, par contre, si tu rentres pas dedans, mon gars, moi j'y vais. Hein. Putain, il rentre pas dedans ce con. Bon, bah là. Pas d'autre choix, je crois. Avec les ah, c'est sein d'armure en plus ces trucs-là. Oh, trop bien. Wouah ! Merci. Le récissé. Merci à toi pour ton follow et bienvenue.
Alors par contre, on a pris quand même des dégâts maintenant. Je pense quand même que ça passe, hein. Au vu du nombre qu'on est. On peut se régénérer un coup. Après, j'ai les Ushapti qui vont rentrer en force. Là, j'ai la cavalerie, les chauves-souris et tout. J'ai Arcane. Qui va faire quoi? Pas mal envie d'évoluer ça pour les loups funestes et tout. Ça me permettrait d'avoir une régène en plus. Attendez. Est-ce qu'on peut le faire? Je peux peut-être construire une unité. Légion de légende. Pas du tout! Ah! Ah oui, ils sont éthérés! Ah ouais. Ah ouais! Oh monsieur, ça fait pas chier. On a quand même pas mal pris cher. Hein. Ce qu'on peut faire. Ouais, mais non, mais je veux pas qu'il recrute lui. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'attaquer sa petite ville là-bas. Genre, on attaque ça. Dès le prochain tour, parce que là, normalement, on va confirmer ça avec notre héros. Il n'y a pas d'armée. Du coup, je me mets à courir là. Techniquement, tu peux pas être rejoint si je me mets à courir là avec lui. Ah oui, lui, il va plus loin, lui. Hein. Les Ushapti. C'est tentant hein, d'y aller. Hein. C'est tentant, hein, mais... Après, il a rien sur les murs. Il a vraiment rien. Hein. Ouais, je pense qu'on peut, hein. Le problème, c'est ces deux gardiens des temples. Ils peuvent faire les fesses à tellement de mes armées. Après, j'ai ça. J'ai quand même mes héros qui vont taper. Ouais, bon, je pense que... Ah, je sais pas. Si, vous pensez, les gars? Ça passe? Ça passe, vous pensez? J'ai les nécrotèques qui boostent aussi. C'est vrai que j'ai les nécrotèques en plus qui peuvent énerver un peu les troupes. Là, si tout de suite je prends de quoi améliorer aussi les gardiens des tombes, les lanciers squelettes et tout. Allez. Ok. Ouais. J'ai les archers, les Ushapti. Je pense que les Ushapti, en vrai, ils vont vraiment faire un café, eux. Oui, je comprends. Que ça pèse quand même. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans pour pouvoir recruter? Rien. Bon, lui, je le mettrais du coup en mode comme en mode voile pour que justement il puisse. Ici, combien de tours? 3 tours. 3 tours et l'usure les frappe. Hein. Donc, s'il reste comme ça, on reste comme ça aussi. En plus, on a demandé à l'autre de venir. Je sais pas ce qu'il fout, mais il a pas l'air d'être chaud en tout cas. On peut enfin améliorer son mur. Après, j'ai peut-être des priorités genre ça pour enfin avoir un maximum de croissance aussi ici. Ouais, ça me paraît plus important. Ok. Bon, ça, je suis pas assiégeur. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Toritaka? L'avantage, c'est que je me dis quand même, j'ai Arcane qui va pouvoir balancer pas mal de sorts. Hein. Ah bah je vais pas pouvoir l'avancer tout de suite, oui mais...
Visiblement, l'autre, il est dans l'incapacité de recruter. Donc, bah, au prochain tour, ça y est. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Explication. Alors, je peux avoir si je veux ça. Ouais. Bah, du coup, je vais le mettre là-dedans. Et on y va. Ouais, ça devrait être bon. Je peux même la faire en auto-résolution en vrai, parce qu'après, je peux recruter des Ushaptiers. On va la faire nous-mêmes. J'ai peur qu'il me tue des unités là, je sais pas pourquoi. Tous les Ushaptis, j'essaye de les garder là, de les faire XP. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc là, tous mes lanciers squelettes, ce qui est bien, c'est que je vois que j'ai deux gardes des tombes qui sont quand même bien full life. Hein. Donc ça, c'est propre. Tu peux lâcher ça, de toute façon, c'est les Ushaptis qui pèteront la porte. Alors, les sacrifiés. Oh putain, la couleur de la map fait mal aux yeux. Hein. Ok, ils vont monter sur les murs. Donc du coup, eux d'abord. Et ensuite. Lui aussi pourra monter sur les murs. Donc du coup, on va faire tout monter sur les murs. Nos archers sur le côté. Normalement, j'ai rien oublié. Oh putain, nos éthérés là. Ça va être très stylé ça. Pendant ce temps-là, mon chat m'appelle. Ça, c'est pour me déconcentrer, ça. Bon, on se sort de là. Oui. Et je te vois. Ah, c'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux terminer la bataille? Je crois que je peux. Ah,
Allez, est-ce que j'envoie les Ushapti et les Terré dedans? Ouais. Allez, on y va. On met ça là. On va aller chercher les gardiens du temple, ici. Et tout ça, sauf les archers, je pense qu'il faut que ça rentre. Hein. De toute façon. Et t'as fini. C'est pas possible, ça. Me faire sonner, les gars. Le chat, il m'appelle non-stop, là. Oui, en pleine bataille, c'est... Eh oui, je sais, je sais. Ah bah ouais. Bon, est-ce qu'on va réussir à percer là-dedans? Ce qu'il faut, c'est que je tape les gardiens du temple. Je rêve où il se heal en fait. Et le pire c'est que je sais même pas comment ils peuvent se heal. J'y arrive pas. Hein. Allez, avec le temps, ça va finir par passer. Voilà, on a la régène. De nouveau qui frappe. C'est marrant, il a toujours la magie des bêtes face à moi. Ils en sont où, mes gardiens des tombes? Ah, ils ont l'air d'arriver quand même à un moment à passer. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Les émissaires là-dessus. Allez, ça devrait céder. Ici, c'est bon, là. On va prendre les seins d'armure, tiens. On va les mettre là.
Bon, on va mettre comme ça aussi. Voilà. Ok, tête de mort, et lui du coup, tête de mort. Ok. Eh. Ouh, 123. Ah ouais. Ah ouais, ils ont fait le café eux deux là. Et donc là, si je capture le truc, normalement ça va être downgrade de 1 seulement. On a le premier livre de Nagash. Ce qui nous débloque quoi du coup? Les chances de succès, le coût de l'action et 1 pour tous les héros. Ok. Très bien. Donc au final, ouais, on n'avait pas à s'inquiéter. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça je laisse, ça j'enlève je pense. Oh, ça c'est cool ça. Oh, orc public et croissance. Oh mais oui, 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 oui. Et là du coup, Ushapti, scorpion aussi. Oh putain, il me faut les scorpions. Non, des unités je pense. Pas des... De certains contes vampires. Quoi? Je comprends pas bien, mais il est stylé lui avec son petit chapeau là. Pas impression au final. Je pense c'est les unités, hein, ça. Le 9e livre de Nagash fait partie de vos prises les plus prestigieuses. Celui-là, ça va être fort. Hein. Ça va être fort. Ok, en tout cas, on va avoir une bonne régène déjà, ça c'est sûr. Les Ushapti, on va les améliorer. Allez, on booste encore la reconstitution, comme ça va encore plus vite. Avec lui, on va augmenter la mobilité. Donc là, il s'est fait un peu blesser, mais c'est pas grave. Niveau des troupes. Toi, pour l'instant, tu peux rester là. Idéalement, je devrais faire un mur, du coup. Peut-être pas tout de suite, et plutôt aller directement... Putain, 9000! Si j'attends 2 tours, j'ai accès à ça. Hein. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal du tout, ça. Si j'attends... Après, je peux faire ça aussi. Ça me permettrait d'avoir les Ushapti à grands arcs. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Ok, on va partir là-dessus. Bah, vu qu'on a ça et qu'on a ça en croissance, je peux peut-être attendre en vrai. Hein. Je suis pas obligé d'être pressé là. Hein. Ça c'est pas mal quand même, le petit revenu de sang là. Et si je casse ça, du coup j'aurai accès à un autre bâtiment. Techniquement, bah, je pourrais prendre le truc de croissance de nouveau. Les prochains tours, on attaque ça du coup. Toi, tu te mets comme ça pour peut-être recruter de nouveau vite fait. Ouais, voilà. Histoire
Là, pour l'instant, on est bien. Là, normalement, avec ce que j'ai débloqué, je pense que je peux avoir au moins 3 Uchaptiers à grands arcs. Donc, je vais peut-être avoir une armée, genre gardien des tombes. Ah, chanceux. Putain, mais il cachait encore une armée, quoi. Non, mais lui, il fait pousser. Enfin, non, enfin, il l'avait pas vraiment caché, quoi, mais... Un margoulin, lui. Hein. Krokgar, il lâche pas l'affaire, hein, j'ai remarqué. Hein. Donc, il y a toujours notre armée là-bas qui est en train d'assiéger. Il va y avoir de l'usure, on va pouvoir attaquer, on va les avoir facilement. Et c'est la fin de Krokgar. Yes! Et après, on essaie de remodeler nos armées et on part sur le continent. Là, là. Là, là, on va aller chez Khemri, on va lui casser la bouche. On va cacher. On va casser la bouche à lui, ouais. Ah, tout ce qu'on peut en tout cas. Hein. Tout ce qu'on peut. Ce qu'il va y avoir là-bas, quoi. Sachant qu'on est avec le clan Morse. Et que ce qui pourrait être intéressant. Alors, je sais pas si je vais me rebeller un peu contre eux. En tout cas, vous voyez, ils sont en alliance avec les orques. Et les orques, ils sont toujours en guerre contre les nains. Normalement. Ouais, ça change pas ça. Donc il y a une grosse résistance, visiblement les orques ont l'air de gagner. Bon. À nous, peut-être qu'à un moment on va faire le traître. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Moi pour les livres, je suis prêt à tout. Ok, alors du coup, on va se mettre ici à 57% prêt à attaquer son truc là. En plus c'est Nakai. Est-ce qu'à votre avis, avec cette armée plus cette armée, il se dit qu'il se fait la mienne? Je ne sais pas du tout. Mais s'il se dit qu'il se la fait pas, moi je me dis que je me le fais lui. Donc je réserve pour le scorpion et après je fais un mur. Hein. Je gagne encore 5000, ouais, j'ai toujours le bonus ici. Hein. Le bonus qui met très 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 bien. Hein. Littéralement là, on est aux anges. Hein. Your king demands. Ah mais il est mort, hein. Il est mort. Oh ouais, mais toi, tu m'envoies la pire armée, quoi! Quick! Qu'est-ce que tu fous? Mais non, c'est pas comme ça que ça marche! Et tu m'envoies de la merde! Allez, de toute façon, on attend un tour et il se mange de l'usure. Oh non, mais le mec, je croyais qu'il avait envoyé une vraie armée! Le mec, il m'envoie que des esclaves, quoi! Re Asriel! Il m'envoie que des esclaves, cet enfoiré! Mais non, ça marche pas comme ça. Voilà. Serve me, obey me. Tu veux me faire croire qu'on gagne en fait, comme ça après, hop. Ah, embuscade déjouée. Alors, soit t'as fait une grosse erreur. Enfin, je sais pas trop. Je pense que oui, t'as fait une erreur. Que t'as que des Quartz King. Moi, j'ai des guerriers Nekara, mon gars. Ta-ta-ta, ils vont te sabrer. Da, da. Alors je peux recruter un seigneur légendaire, je viens de le voir il y a un instant.
Regardez, on a v'là les Ushapti et tout dedans, donc... Au revoir. Voilà. C'est tout de suite moins défendable, hein. Et on a la région Krogarema. Il est terminé. Donc, prochain tour, usure. Usure. Que c'est plaisant. En plus, c'est Krogar, donc ça se trouve, je l'ai pas encore tué avec l'autre. Pas du tout. Follow me. Call me. Alors, on va faire des bâtiments de recrutement avant de parler tout de suite argent. Là, visiblement, je vais pouvoir faire un mur. Donc là, d'abord, je veux ça. Pas besoin de ça, je me dis, Nagashizar, à un moment, on va me rush le truc tout seul. Donc là-dedans, j'en veux pas. Je veux juste ça. Et on attend. On attend. Allez, mes héros, ils produisent pas mal, hein, quand même. Hein. Je pense maintenant, on va se canoper, on est bien. C'est quoi ça? Ah, rang du seigneur recruté. Oh. Attendez. Lui, il est niveau 12, donc il est quand même chaud. Lui, il est niveau 7. Ah, oh, c'est bien dommage. Parce que là, si je profite du truc, en gros, je peux peut-être remplacer lui, par exemple. Ça dure combien de temps? 4 tours encore. Je peux me payer... Encore un petit seigneur légendaire, vous voyez, là, genre lui, là. Oh, lui, il est pas mal, lui. Lui, il est pas mal. Lui, c'est le défenseur, lui. Lui, c'est le vrai défenseur. Parce que coût, durée de construction, moins 35%. Ah oui, mais c'est durée. Production de ressources échangeables, 10%. Ouais. Et toi, du coup, ça serait portée armée du seigneur. Chance de succès d'embuscade. Plus 8 en combat sur terrain désertique. Oui, ça peut être une armée de gardiens, enfin, gardiens des tombes avec squelette, catapulte, par exemple. Ça peut être ça, lui. C'est ça, Squazer. Plus attribut rodé, charge 16. En soi, il est bien parce que c'est des revenus, lui. Hein. Et après, il y a plus 1 pour un sphinx de guerre Khemri. Ouais. Et on va dépenser. Allez. Et on va essayer de le recruter et d'en faire un, justement, défensif. Si, si, il m'intéresse, Karma. Mais je les débloquerai, du coup, avec Nagashiza. Et là, il vient de se prendre de l'usure, normalement. Salut, Kiki! Ça va et toi? Bah oui, mais t'es foutu. Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Alors, je vais regarder si... s'il est mort. On gagne pas mal d'argent, hein, quand même. Hein.
Ah, pardon, les chevaliers Acropole. Ah, c'est plus le croc, ouais. Tout ça. Si, sûrement. Enfin, pour l'instant, je suis pas pressé de les débloquer, mais si, à un moment. Et oui, Kiki, en ce moment. C'est assez cool. Quoi? Attendez, il y a un truc que j'ai mal... Ah, oui. Viser la tête. Ah oui, ça, c'est bien, ça. Alors, normalement, on a Nakai dans le coin. Je vais juste regarder avec Mister Nagash. Est-ce que tu l'as déjà battu, toi, Nakai? Non, tu l'as pas battu du tout. Donc, je préfère que ce soit toi qui combattes. Du coup... Allez, on le chope, on le termine. Ça, c'est bien. J'aimerais bien avoir un peu plus de catapultes aussi. Il va falloir que j'en fasse de ça. Hein. Et là, normalement... Bah ouais, voilà, c'est bon, ils sont morts. Allez, terminé comme ça, Krogar. Ouais, c'est... C'est pas plus glorieux, mais... Désolé, Krogar. Et est-ce qu'on a bien fait? On va le savoir tout de suite. Oh, oh merde. Il m'aurait fallu ça. Un petit 225 bien gratté. Oui, en plus de l'ordre public avec. Non mais... Il est goldé ce truc en fait. On va mettre par contre... ok, c'est bon, j'entrevois les possibilités. Et là on va attendre parce que comme ça va me permettre de faire le truc de scorpion, normalement. Allez, au revoir. Ah, peut-être plus maintenant en fait. Au revoir. Mais j'ai complètement... Mais oui, c'est ça que tu parlais là, les trucs à 5000. Les techs à 5000, mais putain, ce truc-là, dans ma tête, je le voyais pas depuis le début. Alors, j'aurais pas dépensé 5000 là-dedans, tout de suite. Mais là, maintenant... Trop de technologie... Ah oui, j'avais, je sais pas pourquoi, je la voyais pas cette technologie. Je cherchais à comprendre hein, des fois, hein. C'est le cerveau, hein, il fonctionne pas bien. 25 tours, bah écoutez, on va pour l'instant gratter là-dessus. On pourrait même. Ouais, on va chercher ça tout de suite parce que les scorpions, bah, on n'est pas loin d'en débloquer là. Hein. On n'est pas loin. Allez, toi, ça sera le truc de char, bien qu'il y ait normalement un mec pour. Tu seras sûrement remplacé. Nous en veux pas. Donc là, on vise ce bâtiment. Hein. Tu m'étonnes, Astrid. Donc là, on va mettre le bâtiment croissance. Lui, je vais le virer, lui, là. Je sais pas ce qu'il traîne ici, mais... Khazrak le borgne, tu vas... Chut, hop là, hein, tu dégages. Hein. Alors, je vais le faire avec Khazrak de préférence, mais... Ok, Khemri, il faut vraiment aller vite l'attaquer. Hein. Khemri, ça va devenir une priorité. Hein. Il donne à tous les squelettes. Il donne coup fatal. Non, pas du tout. Agnon. Merci. Balkany, merci à toi. Merci, Balkany en bikini. Merci pour ton follow et bienvenue. Il est où ce con? I serve King and Patria.
Non mais viens ici, c'est pas possible ça. Oh. Il est bloqué maintenant. Allez, hop, 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 là. Rends-toi, là. Rends-toi et fais pas chier. Je gagne combien maintenant? Je gagne 12 pas avec les personnages. Ce qui est pas mal, hein, quand même. Hein. Là, idéalement... Donc, croissance. Comme ça, je booste le truc et ça va s'accélérer. Attendez. Scorpion! Bien sûr! Tous les jours! Je sais pas ce qu'il veut l'autre là, mais. Il va falloir qu'on lui dise gentiment de partir. Hein. Gentiment, bien sûr, parce qu'on est pas mal poli. Hein. Et on va lui dire casse-toi. Donc là, avec lui, normalement. Tac. Tac, remplacé par lui. Non, on peut peut-être pas avec eux. On peut peut-être pas. Un autre qui donne ordre public, peut-être. Non. Ok. Dans tous les cas, on l'a quand même. C'est déjà très bien. Alors. En vrai, vous pensez quoi? Qu'on devrait aller par là? Je peux envoyer mon héros, remarque. Hein. Je peux envoyer mon héros scouté. Hein. Pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça peut être une région gratuite. Ouais, c'est orange au sud de ma map. Je sais pas du tout. Un bug? Un bug? Ma prochaine cible, Gêne, ça va être Khemri probablement, mais je me pose la question sur cette petite île aussi, là. Parce que normalement, c'est une petite niche fiscale, vous voyez. Elle rapporte bien... elle est sympa, quoi. Elle est vraiment cool, hein. Et là, il faut que je refasse mes armées, maintenant. Là, littéralement... Merde, je me fais saigner le bras, quel con. Allez, s'il te plaît, Nakai meurt. Sachant que je vais te tuer avec... l'autre, là. Je sais plus comment... Arcane. C'est quoi ce son? Il y a une fontaine. Allez, où? Elle est là, là, je crois. Ouais, Malus, généralement, j'irais pas Malus, j'irais Malekith. J'irais Malekith. Depuis le temps, là, 103 tours. Allez, au revoir. Oh. J'aurais dû m'y attendre. On est Mars, je le chasse dans le coin de la map, le coin. Faut pas faire plus que ça, quoi. Ça, c'est bien ça. Et bah voilà, ils sont morts, ils sont foutus. Donc maintenant, on trace. On trace, dans 5 tours, il y a les scorpions. Alors, on est quand même à 2500. Donc là, je vous avoue que j'ai bien envie de casser ça. Et de mettre un bâtiment de croissance pour accélérer les choses ici.
Ici, on n'est pas si loin. Si j'attends, je peux améliorer ce bâtiment-là. Ça sera pas le prochain tour, mais encore celui d'après. Ça me permet de faire des U-Chapti à grands arcs. Je pense que je vais attendre. Lui, sa mission, c'est d'aller là-bas. Et là, bah, tout le monde se casse maintenant. Allez, on migre. Hop là. Et ici, du coup, un petit bâtiment de croissance, histoire d'accélérer les choses. D'aller chercher ça. Et d'essayer de ramener un maximum d'argent. Alors, Arcane. Ça, c'est pas mal quand même. Après, il serait peut-être temps pour lui aussi d'améliorer une armée. Ça, c'est pas mal du tout. Je l'avais pas vu ce point. J'avais pas fait gaffe. Je l'ai sûrement passé dessus, mais... éveillé, c'est pas mal. Dans l'armée du héros. C'est assez sympa quand même, comme point. Parce que là, on va bientôt recruter. Donc si on peut maximiser ce genre de choses, on va sûrement activer l'arche. Et là, on va se faire plaisir. On va essayer de faire des armées vraiment opti, si possible. On va essayer d'aller chercher tout ce qu'on peut. Hein. Par contre, ouais, j'ai un peu trop dépensé là. Qu'est-ce que j'ai acheté quoi là? Merde, j'ai dépensé dans un bâtiment. Bah, par là. Aussi cher que ça, ça. Tant pis. You are des choix. Non, pas encore pop. Ouais, on a la chance là des choix. Bah finalement ça passe hein, pour l'instant. Hein. Ça passe. Hein. Je connais pas trop la puissance qu'on va avoir. Livre qu'on va réussir à aller chercher, mais. Ça passe. Donc pour l'instant, le départ Nagashizar est viable. Ouais. Je dépense, bien sûr. Parce que si ça peut coûter moins cher, je prends. Donc là, on veut absolument celui-là. Donc au prochain tour, on l'aura. On va aller regarder si... si le paradis fiscal, il est bien. À qui il appartient, surtout. Là, il y a Snitch qui est très puissant, comme vous voyez. Et il y a le nain qui est assez puissant aussi, sûrement. Et il y a l'orc qui est assez puissant aussi. L'orc, je vais regarder un peu en puissance. Il est 7ème. Snitch, il est considéré combien? 59. Donc visiblement, on est en train de lui faire les fesses. Je pourrais quasiment attaquer... putain, je pourrais me faire tout seul, quoi. Vous savez, les gars, que je vais peut-être aller attaquer même le Skaven, là. Si je romps... Et je capture tout ça et je deviens la super puissance. C'est tentant. Hein. Ah, Khemri est en train de gagner en puissance, visiblement. Enfin, en tout cas, il arrive à capturer, il arrive à se défendre dans tous les cas.
Donc ce qu'on va faire, c'est commencer à se déplacer, quoi qu'il arrive, avec nos armées. Quoi. Donc, idéalement, il faudrait qu'on aille là-bas. Et qu'on refasse nos armées correctement, de préférence. Les 4 tours, les scorpions. Ouais, on avait dit qu'on attendait du coup pour le bâtiment pour faire les Ushapti grands arcs. Donc on ne dépense rien en fait, simplement. Donc, il va y avoir pas mal de modifications dans tout ça. Hein. Khemri, ils sont pas déjà en guerre les deux? Ah oui, c'est pas maintenant, mais bon, il suffit que je le laisse partir et tout d'un coup je récupère tout quoi. Ah mince, j'ai cliqué dessus. Ah bah t'es tout attaqué. Ah t'as perdu ta ville. Parce que là, ça me fait récupérer ça, ça met un vrai front, quoi. Putain, c'est trop bien. Est-ce qu'en vrai, ce départ est pas plus facile que le départ de base de Arcane? Je sais pas. Le problème, c'est que j'ai jamais fait vraiment tenter le départ d'Arcane classique. Donc, pas, je sais pas. On investit où on veut. Donc ici, on est quand même à plus 10. Niveau de difficulté et taxes, personnage et horde, bâtiment, on sera à 10. Donc, techniquement, on peut mettre ça pour la prochaine fois. Allez, je pense qu'on va... Voilà, le petit trésor, on s'en fout. Ce que je veux, c'est voir, donc là, dans 2 tours, on va avoir l'info sur l'île et on va voir ce qu'on fait. On peut envoyer 2 armées d'un côté et 2 armées de l'autre. Hein. C'est tout à fait jouable. Hein. Donc la croissance, comme ça, dès qu'on peut, on débloque celui-là. Il nous faut 2 dans cette tour, c'est bon. Ici, je vais mettre la croissance aussi. Parce que je veux essayer d'accélérer un peu les choses là, parce que je trouve qu'on se touche littéralement la bête ici. Sachant que mon objectif là, c'est de remettre un bâtiment de croissance, un bâtiment de guerre, et derrière, essayer de choper le plus vite possible le bâtiment légendaire. Hein. Le grand hall de Nagashiza. Hein. Et là, on se rue avec des ronds éthérés sur l'ennemi. Hein. Donc là, il est en train d'envoyer toutes ses armées. Lui, il doit sûrement être en train de recruter. J'avoue que c'est tentant de l'attaquer, le Skaven, quand même, hein. Ça m'embête ça. Hein. Surtout que je peux faire v'là les armées maintenant. Ok, les scorpions sont améliorés. Donc là, dès que je vais recruter du scorpion ici, on sera bien donc dans 2 tours. Alors ici on investira dans la croissance, ici on peut verrouiller le mur une bonne fois pour toutes ou attendre le prochain tour et débloquer ça.
Ça se tient. Ici. Non. Non, non, non. Je pense qu'on gagne suffisamment pour l'instant. On n'est pas obligé de se presser. On peut juste aller à fond. Ça va être le bordel là. Oh, imaginez même pas. Parce que là, franchement, je sais pas comment je vais recruter. J'arrive pas encore à décider. Le petit public peut être quand même sympa hein, au final. Hein. Le petit hors public là, à 5000 là, pourrait être sympa aussi. Hein. Parce que ça ferait un petit plus 2 pour tout le monde. Lui, il en aurait besoin parce qu'il est à moins 15 déjà. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais à moins 15? Alors si je fais ça, je passe à 30. Donc 45, ça va me réduire encore le nombre de tours. Ah, le relou. Bah, je crois que ça va être ça le prochain tour. Hein. La techno, comme ça, je... Ouais, mais non, mais c'est trop, là. Regardez, là, c'est un peu trop énervé, là, quand même, moins 15. Hein. Je dois refaire un petit tour par ici, là. Histoire que le moins 15 s'applique pas... Ouais, 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 ouais. Ou alors, je peux enlever la taxe et au fin... Enfin, après, ça change pas grand-chose, mais... Ah, mais on va pondre des armées, les gars, ça va être... Ça va être un bonheur. Un petit bonheur. Comme c'est pas permis. Et en vase, on est à 148, donc on pourrait presque prendre... Alors là, pour l'instant, en vrai, je peux prendre un prêtre ou un prince des tombes. Prince des tombes, ça serait pas mal parce que j'en ai pas assez. Je vais voir, je vais voir. Je réfléchis un peu à quelle guerre je veux. Le clan Morse est un bon bouclier, mais en même temps, il peut mourir très vite, ça c'est bien. Par contre, je crois qu'il est avec Sneak, donc du coup, ça peut être un problème pour moi. Le but, c'est pas non plus de s'éterniser hein, 10 ans dans la campagne. Si je laisse le clan Morse, au final, je peux rush Khemri, normalement. Et tout ce qui va avec ici. Alors tout. Ce qui fait que je pourrais avoir cette région entière et lui, je lui laisserai les montagnes. Ça pourrait être pas mal. L'heure est grave, monseigneur. Ouais, le chaos. Défense. Ok, ouais, vas-y. À demain. Alors. Ok, on est à moins 5 ici, je viens de voir. Il y a 0 chaos chez moi, je sais pas ce que... Que j'en ai techniquement à faire. Ouais. Il est où le bâtiment? Il est là. Le problème, c'est que c'est lui qui peut recruter. En fait, c'est lui qui va revenir simplement. C'est lui qui va revenir. Là, on fait ces deux armées-là vraiment. Là, on est quand même. Ah, on est à moins 2. On est à moins 2, d'accord. De toute façon, je vais faire un mur. D'où la techno hein, qui peut être sympa là, hein, clairement. Donc là, c'est dans deux tours, ça. Est-ce qu'ils seront là dans deux tours? Non.
Non, non, non. Donc toi, t'y vas. À fond, tu te prépares à intercepter l'armée. Allez, on gratte un tour en plus ici. Alors du coup, la petite bannière là qu'on m'a dit, ou c'est pour les armées ou c'est pour les bannières là, la petite techno là, j'ai entendu le truc de fin là. Un coup fatal là. L'armée du Seigneur. Ah oui. Ah ouais. Ça améliorerait pas mal les... Précision de faucon. Ah, pour les archers squelettes, les Usha petits grands arcs et les géants d'os. Ok. Ah 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 ah, qui c'est, 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 c'est Malekith. Ok. Ok, ok. On peut le tuer lui, hein. Franchement, Nagaron est un peu énervé, mais là normalement il n'y a pas de troupes là-dedans. Je vais aller faire une petite visite. Malekith, qu'est-ce que tu fous là? Arrête de confédérer Malus. Arrête. Par contre, la musique, je vous jure, j'en peux plus de cette musique dans le désert là. C'est tellement mieux quand t'es côté elfe la musique. C'est les petits trucs, je sais pas. Ouais, je dis vocalise, ouais. La zone ici, c'est. Oh. Ouais. Je peux pas mettre la mienne Grimdall parce que si je mets sur YouTube, après je veux pas me faire démonétiser. Et après, les libres de droit, j'ai pas de playlist libre de droit sympathique. Ah, le mec, il est puissant quand même, hein, ce con. Ah bah, il faut un peu d'alliés, hein. Je vais lui dire, écoute, Nagash, après tant d'années, tu peux pardonner, hein, c'est bon, hein. Personne t'en voudra, hein. Je vais me permettre de sonder un peu la zone. Dans deux tours, c'est arrivé. Allez, j'investis là-dedans parce que je veux... Oh ok, non, j'investis surtout pas. Nagash Caesar niveau 4, s'il vous plaît, please. Please, 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 please. Oh la mia, qu'on est encore qu'à là, quoi. Oh, mais qu'est-ce que tu fous? Hey, bordel! Mortal fool, the king moves. My master will return. Ok, vous savez combien de temps ça fait? 1h14. Bon, dans tous les cas sur YouTube, on va s'arrêter là. Bon, la fin est un peu en mode déplacement, c'est comme ça. Krogar est mort, notre territoire maintenant c'est... le royaume des bêtes, le cratère de la résurrection, je ne sais pas quoi, les abîmes du diable peut-être, je ne sais pas ce que c'est. Je vais cliquer là-dessus pour voir. L'échine du diable. Et
du coup, les dents brisées. Et on va essayer d'aller sur les rivières cendrées, tout ça. On va peut-être envoyer une armée là-bas, c'est pas impossible. Histoire de capturer cette petite île paradisiaque. Et permettre à nos squelettes de prendre des vacances. Très important. Voilà. Ici, bah, dès qu'on peut, on améliore. Donc techniquement, dans 4 tours, on va pouvoir aller chercher ça. On améliorera du coup, on mettra un bâtiment d'ordre public. On mettra mur. Mur et ordre public. Et normalement, ça sera compensé. Quoi ? La pyramide noire se fait détruire par il quitte la griffe en plus. Ah, ça c'est dans l'histoire du coup. T'es en train de chercher du coup. Et Nagashizar, comme je vous ai dit, on va rush le bâtiment. Priorité à investir dans cette zone, hein, clairement. Voilà, du coup, gros bisous YouTube et au prochain épisode. Ciao, ciao.